tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un maquillage pour les fêtes. Donc c'est assez simple, je commence tout simplement par venir mettre le Photo Finish Primer de chez Smashbox. Et ensuite je viens appliquer ma bébé crème de chez Maybelline et je viens tout simplement tapoter avec mon éponge de chez Real Techniques. Ensuite je viens appliquer mon anti-cerne, donc c'est le anti-âge yeux de chez Maybelline aussi, et je l'ai en teinte 20 beige nu. Et donc je viens également l'estomper avec mon éponge de chez Real Techniques. Et ensuite je viens poudrer le tout avec ma poudre All About Matte de chez Essence. Donc moi j'avais envie de le faire à l'éponge, mais vous pouvez tout aussi bien le faire avec le pinceau. On ne le voit pas parce que j'ai des scènes qui ont manqué en se chargeant sur mon ordinateur. Mais j'ai d'abord mis dans le creux de la paupière Salted Caramel de la Chocolate Bar. Et ensuite j'avais mis donc en coin externe le Triple Fudge aussi de la même palette. Et donc je viens estomper le tout avec un gros pinceau fluffy. Ensuite j'avais juste envie d'illuminer avec Champagne Truffle de la même palette. Et donc après je viens vite fait remplir mes sourcils avec un gel à sourcils de chez Catrice. Ensuite je vais venir faire un petit peu de contouring, donc je viens avec un pinceau assez précis pour le coup j'ai envie de dire, et je prends la poudre Bahama Mama de chez The Balm. J'ai également placé du blush mais on ne voit pas, donc prenez un blush n'importe lequel, moi j'avais pris un blush assez clair. Et donc pareil, j'ai perdu les fichiers où on me voit mettre de l'eyeliner, mais bon en soi c'est pas très très compliqué, j'ai juste fait une petite virgule. Je viens recourber mes cils et je viens appliquer du mascara de chez CoverGirl. Et pour l'occasion j'avais également mis des faux cils de chez Bourjois, mais ça c'est vraiment une option.